Attendez. C'est juste une façon de dire que, voilà quoi, vous qui croyez plus intelligent, plus malin, mettez votre intelligence en service du peuple. Mettez votre intelligence pour pouvoir faire pousser des choses, que ça change. Il est venu écrire, c'est un grand que j'aime, je vois ses commentaires, tout. Mais ça m'a touché dans le sens que je me suis dit, mais attends, mais si lui il est plus intelligent que moi, s'il voit que non, ce que nous faisons là, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur, mais pourquoi lui qui a un petit chapeau, bah, docteur, il y a un bah, doctorat, je ne sais pas quoi, il ne fait pas un truc pour son pays? Je l'ai répondu proprement, vous êtes des égoïstes. Parce que si vous croyez que ce que nous faisons là, l'éveil de conscience que nous faisons là, que ça n'arrive pas à faire changer des choses, vous qui avez peut-être une bonne connaissance ou des bonnes relations, faites-les pour faire changer des choses. Bref, donc là, je vais vous montrer vite fait. Je vais vous montrer vite fait. Ulrich Koevin, Koevin Nkyenge Beni. Kenge Beni. J'ai vu, je suis allé quand même, parce que moi, c'est comme ça, je vais rentrer pour vous fouiller, pour voir un peu. Mon qui moi photo na moko il fasse à la catholique. Ah, je comprends maintenant. Ah, il faut, je comprends maintenant. Ah, bah, l'église. Comme on a touché l'église catholique, bon, je comprends. Je comprends, je comprends. Mais là, tu as blâmé, moi, ce qui est docteur, ce qui est nani. Bref. On va pas tarder là-dessus, chers amis. Je lui avais aussi reproché sur son commentaire. Ah, merci Nob dit tout. Merci. Bon, on va prendre notre. On a fini le premier sujet parce qu'il faut pas vider ça, Milaï. Donc là, on commence déjà par le révérend Toumi et on va prendre l'église. Voilà, et on va prendre l'église. Pour le révérend pasteur Ntomé. Il a eu à faire une déclaration pour moi. Pour moi, on n'est pas là déjà pour repartir d'abord en arrière. Chacun va assumer de ses actes. Mais ce qui est là, c'est d'abord de mettre les forces. On n'est pas obligé de mettre d'être sur la même ligne. Mais la forme, c'est que qu'on puisse défendre, qu'on puisse faire reculer le pouvoir. À ne pas vendre nos terres. Ça, c'est l'objectif principal. Si aujourd'hui, le PCT avait déclaré cela, on devrait être tous contents. Moi, je vous dis. Moi, je ne suis pas de ces gens-là qui veulent se venger. Je ne suis pas de ces gens-là parce que son père travaillait, mon père travaillait au pouvoir, qu'on l'a viré, quand son père. Non, non, non. Moi, je ne suis pas de cela. Moi, je suis de cela. Quand ça marche, que tu sois du PCT, je dis bravo, ce que tu as fait est bien. Que tu sois, je ne sais pas, de la résistance, que tu sois, je ne sais pas, si tu fais un truc qui est tranquille, qui est propre, on dit bravo. Le vieux est devenu chroniqueur musical. Marianga. Est-ce que vous comprenez? André, bonsoir. Je te soutiens. Merci, André. Vous comprenez, chers amis? Donc, pour moi, si aujourd'hui, par exemple, on arrive que papy dit que non, je vais laisser même le pouvoir. Moi, je vais applaudir. Imaginez que papy dit que non. Si aujourd'hui, si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont forcé à être cela et que je veux faire un pas en arrière comme a voulu faire Idriss Déby, proprement, qu'on puisse protéger le pays. Moi, je veux applaudir, chers amis. Salut Flavien Boukounou. Bon, du moins, s'il vous plaît. Moi, je veux applaudir. Je veux applaudir parce que nous savons tous que si le papy est devenu comme ça, ce sont des gens qui l'ont mis là, qui nous ont imposé, qui ont fermé des yeux sur ces crimes. On le sait. Mais d'un côté aussi, on sait aussi que non, ce n'est pas les mêmes personnes qui l'ont mis au pouvoir, qui ne le demandent pas de mettre de l'eau, qui ne le demandent pas de ne pas mettre l'électricité, qui ne le demandent pas de ne pas mettre, comment on appelle, faire, mettre des hôpitaux qu'il faut. Mano, bonsoir. Est-ce que vous comprenez? Ça aussi, il faudrait qu'on le dise. Mais aujourd'hui, si il décide de dire que non, je dois faire le bien pour mon peuple, faut l'applaudir. Si ce pouvoir-là se dit que non, bah ok, aujourd'hui, là, on a compris, Bissotomo qui est de retraite, toi, tu as pouvoir, Moukoko Bima, Okombi Bima, vous n'allez pas applaudir ça? Vous n'allez pas applaudir? Vous n'allez pas applaudir? Moi, je vais applaudir, parce que je ne suis pas dans. Moi, je suis un lanceur d'alerte. Voilà, je ne suis pas un politicien, moi. Je ne suis pas un politicien, ne me prenez pas pour un politicien.
Je ne suis pas un politicien. Un politicien, même quand ça ne va pas, même quand ça va, il dira toujours ça ne va pas. Moi, je ne suis pas comme ça. Voilà. Donc, ne me prenez pas pour un opposant ou je ne sais pas comment. Non, non, non. Voilà. Donc, pour revenir, le révérend pasteur Toumi a eu à faire sa déclaration. Cette déclaration, même Tatima Biala n'a pas pu le faire. Cette déclaration, le PCT n'a pas pu le faire. Cette déclaration, beaucoup qui se disent opposants n'arrivent pas à le faire. À être vraiment direct avec le gouvernement, disant que non, si c'est pour vendre nos terres, on est prêt à mourir. Ils sont des incapables. Donc pour moi, je reste sur un point. Si c'est une occasion pour le révérend pasteur Toumi de saisir cette occasion, de pouvoir enlever l'image que les gens mettent sur lui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, si c'est pour maintenant nous ramener dans un système qui va créer un troundoundoundoundoundou, une guerre dans laquelle ça va faire imposer une personne, ça nous disons non. Mais la première des choses, c'est qu'on a tous entendu, il a dit non à la vente de nos terres. Et il demande à certains qui ont la liberté, qui ont négocié avec le gouvernement en étant en exil ici, de rentrer au pays, d'aller lutter ensemble. Et ces gens-là, vous les connaissez. Ils étaient à l'ambassade. Ces gens-là, vous les avez vus avec Jean-Dominique Okemba. Ces gens-là, vous les avez vus passer à la télé Congo. Mobutu, bonsoir. Vous avez vu des gens qui n'a pas laissé le temps à la diaspora de respirer. Ce petit groupe des corrompus, télé Congo, s'est déplacé de Brazzaville jusqu'à Paris pour projeter leur image. Le révérend Toumi demande, leur demande d'y aller au Congo. Parce que moi, enfin, je ne peux pas aller au Congo. Tant que rien sera, tant qu'il n'y aura pas des accords, il n'y aura pas des trucs clairs, le changement, moi, enfin, je ne peux pas aller au Congo. Mais ceux-là, au moins, ils ont signé des accords. Il y a des photos avec Jean-Dominique Okemba. Il y a des photos avec l'ambassadeur. On les a filmés. Télé Congo annonçait que Banana Bissou va commis bien, le Libre Tigui Makamba, la résistance, tout et tout. Ils doivent rentrer au Congo. Pourquoi ils ont peur? C'est de ceux-là que le révérend pasteur Toumi demande d'y aller au Congo. Moi, la déclaration du révérend pasteur Toumi, ça ne m'a pas touché. Parce qu'il y a des gens qui ont voulu mystifier cela. Il a parlé de la diaspora pour mettre en feu les gens pour attaquer le révérend pasteur Toumi. Non, on va mettre la vidéo ici. Non, on va mettre la vidéo ici. Voilà. On va mettre la vidéo. Donc pour moi, le révérend Toumi, vous savez quand il y a eu des gens qui ont voulu aller attaquer dans le pool en disant qu'il y avait des gens qui avaient quitté Kinshasa qui sont rentrés au fin fond dans le pool pour aller créer la rébellion, il fallait que l'armée puisse envoyer des gens. Nous, on a fait des vidéos pour dénoncer cela. J'ai appelé des gens en plein direct, vous avez tous vu. Parce qu'on savait que non, en allant créer ou chercher des gens dans le pool, ça allait créer un affrontement. Il devait avoir un bain de sang. Vous vous souvenez, les Rwandais, qu'est-ce qu'ils ont fait pour rentrer en RDC? Ils ont dit que non, il y a des rebelles qui ont fui le Rwanda, qui sont en RDC, qu'on vienne chercher dans votre pays. Et nous, on avait compris cette stratégie et on a eu à dénoncer cela. Et ça avait tenu. Les gens ne comprenaient pas. Ça n'a même pas duré 2 semaines. Il y a eu le sang qui s'est versé à Ornano. Ça n'a même pas duré 2 semaines. Fallait qu'il y ait le sang. Donc aujourd'hui, la déclaration du révérend pasteur Toumi, pour moi, je dis chapeau. Et puis nous allons voir. C'est clair. On veut que les gens parlent aussi. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Vous allez comprendre notre stratégie et que voilà pourquoi nous applaudissons Monseigneur Manamika. On a fait des trucs expressement. J'ai reçu des messages dans lesquels ça a touché Monseigneur Manamika parce que c'était pratiquement sa réputation. Moi, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je n'ai ni le numéro de mon Seigneur, ni d'Adon, ni d'Ève, on ne se parle pas. Mais on reçoit, quand il boude, on sait qu'il a boudé.
Quand je fais la vidéo, on le prend la vidéo, on l'envoie. Moi, quand je fais mes vidéos, quand je cite le nom de quelqu'un comme de Alain Mabankou, il y a des gens qui coupent la vidéo, ils envoient aux concernés. Ah, c'est toi, Tedjim Boukou, bonsoir, mon frère. Vous comprenez? Ils envoient aux concernés. Voilà pourquoi, quand les gens me voient parler, ça leur donne la haine. Parce que quand je parle, je touche les reins. Là, au toucher, mi chopo. Au sortir le boumessel, au col, la diarrhée, colère et matière, la kingo. Mais moi, c'est le loco, il a été parce qu'il y a vérité. C'est ça le problème. Il y a un moment, il y a soit kabango. Et soit kabango. Parce que, n'y a pas de bazawana. Bah, c'est exposé. Bah, lié, bah, mbongo, il y a dimi. Bah, mbongo, il y a kili kili. Bah, fingi koutou. Bah, lobi, bah, au sale, la pouvoir à Brazzaville. Mais le lobo, bandit, qu'on l'a lissou. Bozo, l'a ni. Bozo, l'a lissou, souni. Boko, l'a bino, nanani. Bo, bengi, papa, Dominique, au kemba, na ba combo tout. Mais bon, qui ne aide papa Dominique Okemba. Allez-y au pays. Allez-y défendre le Congo pays. Le pouvoir là, les Atalakou, on ne les voit plus. Ruffin, bonsoir. On ne voit plus les Atalakou d'hier. Ils ont besoin des Atalakou aujourd'hui. Donc, ils sont en exil, le plein exil. Bah, Yuma. On va chercher la déclaration du révérend pasteur Ntoumi vite. Bayouma. On va chercher la déclaration du pasteur Ntoumi. Je l'ai partagé. Voilà. Mais volume. Hein. Attends-moi, Diana, tiens, on a baffe là. Là, tiens, on a baffe. Branche la baffe là, s'il te plaît. Allume-moi le. Biba. Pense la baffe là, s'il te plaît. Pense la baffe. J'ai vu ça sur. Est-ce que la Brazza News n'a pas besoin? Bon, la Zouango, on a la page en ligne. Côté image et à droite. La Zouango, on a la page en ligne. Ah, Bilal. Est-ce que dans Bilal, on a la page en haut? Image et à au télé, ma droite. Attendez, chers amis. D'accord, on la page en ligne, s'il vous plaît. D'accord, on la page en ligne. Le président Destin, comment tu vas, mon frère? D'accord, on la page en ligne. Brazza News, est-ce que on a besoin? La vidéo à la gotane, s'il vous plaît. Romario, mon coco est le seul qui a fait l'unanimité chez les Congolais pour les autres Congolais douter. Merci. Romario. La route en la place. Ziana TV, merci. Merci. On va aller directement sur la page de Ziana TV. Merci. Tropez sa message Oyo, la revue pasteur Ntoumi, ok. Nana message naï, tous un message naï, tropez ça y. Après toi aussi ça naï mon seigneur. Ouais. Combien la combien une heure combien la combien l'emba. On va voir message du revue pasteur Ntoumi. Comme dans la combien de minutes? Sur la page de Christian Perrin. D'accord, merci. Là, je suis sur Ziane, là.
attendez. Je vous avais dit ici, non? Je ne vous avais pas annoncé ici que l'opération bébé noir, il y aura des gens qui vont faire les allers sans retour. Je ne vous avais pas annoncé ça ici. Quand ils ont lancé l'opération, je vous ai dit la forme, elle est bonne. Mais il y aura des gens qui vont faire des allers sans retour. Tout simplement parce qu'il y a des bébés qui sont contrôlés par des chefs qui sont des ministres, des généraux, des colonels, des commandants, des députés. Donc là, il faut maintenant commencer déjà à couper les bras à ces ministres-là, à ces généraux-là, à ces colonels-là, qui utilisent les bébés noirs, qui ont des armes. Hein? Aujourd'hui, les mamans sont allées manifester chez, comment ils s'appellent, non? Chez Okongakala, non? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? On nous dit même qu'il y a des cadavres qu'on est en train de faire sortir au centre qu'ils ont créé, je ne sais pas, à Kintele là-bas. Hein? Moi, une photo qui est à Christian Pira, parce que ici, non, mon angoté. Et on avait interpellé le ministre de l'Intérieur. On avait interpellé le chef de la police, qui est Jean-François Ndengue. Que leurs opérations là, que faut pas que l'armée, la police, la gendarmerie puisse abuser, puisse faire le commerce même là-dessus. Mais aujourd'hui, on est où? On est en train d'arrêter même des gens qui ne sont pratiquement pas Kuluna. Mais pourquoi on les arrête? Et d'où j'avais alerté les Congolais sur ceux-là qui lancent les manifestations Congo-Brazzaville, les manifestations qui font identifier des jeunes qui peuvent se révolter un jour quand il y aura une vraie révolution. Et ces gens-là travaillent pour le renseignement, travaillent pour le PCT. Faire identifier ces jeunes. Même à tous ceux qui ont encore une manifestation. Pourquoi? Parce que on ne va pas citer des noms. Lancer telle manifestation semaine et simbité. Lancer mon sous semaine et simbité. Lancer mon sous. Bah je n'ai pas de bima, azo lobazo ça là, va comprendre. Peut-tu à cause de la danger dans telle zone? Peut-tu à cause de la danger dans telle zone? Peut-tu à allez, bah du maintenant là, il y a le couteau, il y a opération contre les bébés noirs. Demain la nuit on vient te chercher, pas au Kendazo à Galissou souter. On vous avait pas dit ça ici? On avait dit au ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, au patron de la police, Tozan a besoin que va veiller sur opération. Kangande, bébé noir. Aujourd'hui, il y a des bébés noirs qui fêtent encore. Il y a encore des bébés noirs qui sont encore là, qui ne sont pas arrêtés. Hein? Il y a des mamans qui manifestent. Voilà pourquoi. Envoyez-nous des vidéos dénoncées. N'ayez pas peur. Est-ce que vous connaissez, est-ce que les ministres là savent que non? Tellement na bakangaki yana batomisu supe na kan kati ya kanda kaka o motwana aza kuluna o motwana ba créer un faux dossier au côté au kenda ozonga li susuti Congolais tellement zalana esprit à vengeance. Donc voilà là kuna nyinyo ne sili na otwana. On va mettre la vidéo de du revend pasteur Ntumi. On va sur attends. Ça, c'est carrément la vidéo, comment? Non, ça, c'est... Non. Donc, chez Christian Pire, on va aller chez Christian Pire. C'est ce que j'ai vu là. Ils ont carrément direct. On va aller chez Pire. Bah, on va aller binoter. Non, tout mi, buena, buena. Non, ce qu'on veut... C'est de faire reculer le pouvoir de Brazzaville pour la vente des terres, chers amis. C'est de faire reculer le pouvoir de Brazzaville sur la vente de terres. Voilà. Parce que sur la vente de terres, Wana, ils ont ma vente de terre, ils ont ma cambo, il y a passage en force. C'est de leur faire déjà reculer là-dessus. Si on les fait reculer là-dessus, c'est mieux. Donc, ils ont l'entoumi, ils ont la moto. S'ils peuvent nous faire reculer, ils peuvent faire peser de son poids, pourquoi pas? Vous croyez que qui prend le pouvoir, qui va maîtriser l'entoumi? Ntumi va accepter. Il faudra vous à la peine à moi, Baïda, repousser. Kiki prend le pouvoir. Kiki va maîtriser Ntumi. Fils de Aigle, bonsoir. Ce qui se passe actuellement
nécessite l'implication de tous les Congolais. C'est pour cela que Tata Ntoumi a demandé à la diaspora de descendre sur le terrain. Exactement. Mais Bissot, bah, oh, tu descends, mon frère. Ah, on a payé fort le bas. Un fils d'aigle. Bissot, bah, oh, tu descends. Il y a un ninja qui a été en Brazzaville, il a encore protégé. Mais il a encore protégé, il a protégé mon frère. Mon frère a encore signé un accord, et il a encore été en train d'église catholique. Car il a un report, il a été en train de se faire. Et au moins, il a été en train de reporter à Christ Roi. Aigle. Aigle. On a un bateau qui a été négocié dans l'ambassade. Tu vois, il a un accord, il y a un gouvernement. Bazana encore, il y a vieux Nabso, comment ils appellent notre grand-père là, le papy, Jean-Dominique Okemba. Et ils peuvent aller au pays. Oh, bah on va recevoir, bah on a, comment on appelle, l'ambassade. Nous avons tous vu. Télé Congo, tout et tout. Chez Christian Perret, je ne vois pas. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le lien, s'il vous plaît? Donc, mon frère, fils d'aigle, moi, frère, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, pour venir. Voilà, papy a dit qu'il pouvait revoir pas mon compte à Brazzaville. Ah, qu'il n'y a pas dans Brazzaville. Voilà, il faut faire un bateau avec un côté Nagno, côté vieux Jean-Dominique Okemba, mon frère. Ngate. Oh, mais moi, Piongoko. Moi, tu n'as même la Nino, ou ton l'équipe, parce que un problème de temps là. Donc, pour clore le côté là. C'est moi, Wax. Bonsoir, vœu. Donc, pour clore ce côté-là, le révérend pasteur Ntoumi, il a dit un truc pour moi, je dis que c'est loyal. Et il a demandé à ceux qui sont de la diaspora, ceux qui veulent partir, de nous soutenir, combat dans Mboka. Et puis, ce mot, c'est qu'il y a été. Bateau, il y a été dans l'ambassade, il y a un feu vert, il y a été. Oh, bah, bon, moi, les cabissos. Bateau à Kenan, ça m'a belé, les cabissos. Donc, on a eu un bref, pour nous, on a eu un peu. Pour nous, j'ai trouvé ça normal. Au moins, il y a boy, vente, il y a terre. Et aujourd'hui, chers amis, vieux âge à papi, ceux qui ont gagné mis sur les lents, moto, non, moto, moi, non, moi, n'a pas mis équipe, n'aïe. Donc, bino, vous connaissez une tumeur, on dit, ma, azal, n'a si ma, ma biala. Dites-moi, Pierre, ma biala. Il y a colonel Makoso, dites-moi d'abord. Mais pourquoi il faut que je me tourne tel et ma bongo? Tout le monde a côté de la zone, mais je suis en terre. Donc, tu as un bateau pour la vente de nos terres. Moi, j'ai attaqué l'église parce que pour le lobby, non, c'est bon. Tu as un lobby, non, 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 je suis en belle, tu es en bonne. Tu es déjà en bateau. Si tu es en bonne, tu es en. Mais nakoko bundanga mokote bino parce que son abundi et comme que t'attends bien ça là bino peut boire à to bunda bino boza libanda. Maman Elisa, bonsoir. Est-ce que vous comprenez? Pour moi, je dis que c'est bon. Maintenant, nous allons voir la suite. Bref, to ou mérite parce que mamboza mamboza là le PCT. Ça, c'est... Le secrétaire général du Parti congolais du travail, lors de cette 11e réunion du bureau politique, a souligné que le parti soutient la politique du gouvernement qui il va offrir de Herman. Bonjour, pour développer l'agriculture et diversifier l'économie nationale. Divers facteurs, notamment externes, ont parasité la noble ambition du gouvernement de promouvoir les investissements. Merci Kimio. Pour le développement de l'agriculture dans notre pays. C'est dans ce climat que sont aujourd'hui travestis la pertinence et le contenu des autorisations d'exploitation de terres. Les terres congolaises n'ont été ni vendues, ni cédées. Statut du Parti congolais du travail qui stipule que
Parti congolais du travail ou les membres du Parti congolais du travail, élus ou en responsabilité, où qu'ils se trouvent, se doivent de faire le point de leur activité au sein du Parti ou au Parti congolais du travail. Les membres du bureau politique ont aussi examiné et adopté le projet du rapport d'activité allant de janvier à avril 2024. Voilà, donc le PCT est d'accord, ils ont vendu nos terres, c'est bon. Le PCT, non, non, CD, non, ceci. Merci, bonsoir. Nob dit tout, Bissobo et Motoloko Langaï, on viendra quand le temps là viendra, mon frère. Ah, Nob dit tout. Ah, mais pour le moment, Donc, tout mon compte à maintenant, dernier sujet, sujet à goal de virage. Voilà, on juge maintenant le gouvernement selon le code du PCT. Le gouvernement est géré par le PCT. Voilà. Donc, à maintenant, tout comme le dernier sujet, l'Église catholique. L'Église catholique via Monseigneur, bienvenue, Manamika, Fwa Kwaou. Boyoka Kumba, Fwa Kwaou signifie Ba Koufa na Bango. Ba Fwa, Ba. Quoi, ou ba koufa na bango, wana kombo nae. Je vous donner maintenant des choses ici. Dites aux militaires, 20 000 ans, Kongoana, moto rozala courageux ko djomboka. Je le dis, je le répète. Moto rozala courageux djomboka. Je vous parle avec des preuves. Chacun de vous va analyser. La TikTok ou alinga matia pesi intervention, matia pesi contradiction. La Facebook peut beaucoup m'attaquer sur contradiction. Sinon, vous bengez le numéro, vous avez 42 à la fin de WhatsApp, troisième téléphone, tout tient te débattre. Parce que ce temps, on reviendra pour dire aux Congolais ce qu'on avait dit. Est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui? Il y a une maman que j'aime tant, je ne dirais pas son nom. Il y a moto, il y a politique, il y a Kala. Quand on a tapé sur l'église, principalement sur l'évêque, le monseigneur, cela veut dire que Malanga était très courageux. Malgré. Non, du tout, ça viendra. Ça viendra. Yo, mon ami, que Bissoba Mboto Sala, ce que c'est au coma, n'a pas au coma. Mais pour le moment, Pour le moment, moi, la moine, Non, du tout. Ben divina Zalayuma pour le moment, mais je sais à quel moment nous reviendrons au pays. Donc, revenons sur le sujet. Je t'avais dit que l'église allait donner sa réponse. Doyen, l'église a donné la réponse par rapport à la pression. Et cette pression, je peux vous le dire, a été bien ciblée. Je salue tous les Congolais qui se sont indignés envers l'église. Je salue tous ceux-là qui travaillent dans l'ombre. Il y a eu même des affiches. Là où on a fait le vieux Manamika, le Koloya, comment on appelle Nanyo Koline Makoso, le Kolonae. Et l'image-là, ça a choqué son entourage. Ça l'a choqué également. Mais le but, c'est quoi? Faire choquer les gens. Parce que les terres, c'est pas choqué qui était le terre, c'est il y a parti Nabisso, ils ont au bon maba congolais. Donc nous, on n'a pas d'autre arme que les réseaux sociaux, que la communication, que de toucher les âmes. Et il fallait une réponse fiable et directe qui devrait toucher. Et je vous l'avais dit ici, chers amis, Manamika est dans le vrai. Manamika, c'est un gars courageux, mais sauf qu'on l'a mis trop des mintours et on l'a mis trop des microbes tout autour de lui qui le touffe. Et je vous avais dit sur l'affaire, quand ils étaient allés dans le nord du pays, là où il était assis aux côtés de, là où vous avez vu la photo aux côtés de Jean-François Ndengue, je vous avais expliqué la scène. Hein? Il a été pris au piège. Et s'il refusait ce jour-là, ça devait le créer des problèmes. Et quand il arrive dans la salle là où ils étaient, chaque archevêque, chaque évêque a pris la place sur la table. Le général est sorti, est passé sur chaque table. Et sur chaque table, il prenait des photos avec d'autres évêques. Mais pourquoi des photos avec d'autres évêques n'étaient pas sorties? Mais tout simplement, c'était parce que pour étouffer Manamika,
pour salir son image, on a pris juste la photo quand il est venu s'asseoir aux côtés de Manamika. Manamika ne pouvait pas non plus bouder. Et cette photo a fait le tour, tout le monde a tapé dessus. Moi, je suis monté au créneau, j'ai dit, je ne vais pas taper parce que je connaissais les enjeux qui se passaient sous la table. Et j'ai monté, j'ai fait ma vidéo en soutenant Manamika. Parce que je savais ce qui se passait réellement. Et je l'ai soutenu. Et son entourage, certains d'entre eux m'ont appelé, que je ne citerai pas le nom, qui étaient tellement contents, et certains même se posaient des questions, comment je savais ce qui s'est réellement passé. Et je leur ai dit, même quand vous dormez, on peut avoir les informations. Et après cela, voilà pourquoi sur cette affaire de vote de terre, ils ont écarté, ils ont mis Manamika derrière. Ils ont pris l'évêque de Gamboma qui est Ngansoko, comment il s'appelle Ngansoko, qui d'ailleurs, Herman Yoka, s'il te plaît, donne-moi le nom. Comment il s'appelle? Attendez, j'ai jamais mis celle-là à côté. Ngansoko, là, comment il s'appelle? Ngansoko. J'ai écrit ça quelque part, là. Mambo très belé na moto. Romain Ngansoko, l'évêque du diocèse de Gamboma. Urbain Ngansoko. Benoît Urbain Ngansoko. Merci, Ngansoko. Vous comprenez? Quand on a compris cela, ils ont compris, ils ont dit qu'il faut mettre Manamika à côté, mettre l'autre, comment il s'appelle, Milandou à côté, faire sortir Urbain Ngansoko devant pour faire, comment on appelle, la conclusion de l'Église catholique. Cette conclusion des vendus là, cette conclusion des corrompus là. D'où vous allez voir même quand on filmait, Monseigneur, bienvenue Manamika. Tête par. Donc, Moutou Nassé, il avait baissé sa tête. Parce qu'il savait ce qui se passait là n'était pas normal. Mais à contre-cœur, parce que la majorité dans l'Église catholique des corrompus. Donc, s'il disait seulement que non, il ne va pas aller, déjà, vous savez comment Sassou l'appelle? Vous savez comment Denis Sassou Nguessola est surnommé? Moi, je sais. Moi je sais, la présidence le sait, son entourage le sait, moi enfin je sais comment Sassou l'a surnommé. Sassou ne l'appelle pas monseigneur, Sassou ne l'appelle pas, je ne sais pas, archevêque. Sassou le prend pour un rebelle. Quand je dis ça, côté Azali, bah, vous passez message à Yebi, Ngana Yebi. Entourage n'est Yebi, Ngana Yebi. La présidence est Yebi, Ngana Yebi. Ma PC est surnom, il y a rebelle. Dans le baptême, il y a un lobby. Le baptême est une église catholique. Il y a vraiment tout autour. Il y a vraiment un trait. Il y a un combo. Il y a un Manamika. Le surnom qu'il avait donné à Manamika. Il le considère comme un rebelle. Voilà pourquoi. Le vieux là. Bah tiens, une erreur, il faut qu'on lui donne la force. Mais on ne va pas le donner la force. Et voilà, bonsoir. On ne va pas le donner la force en le soutenant. On doit le donner la force puisqu'il a accepté que son image soit associée. Dans cette histoire de vente de terre, il faut frapper dessus. Chacun a communiqué de sa façon, de sa manière. Et moi, je le dis, je le répète, on s'excuse pour l'image. Mais cette image-là, ne vaut pas nos terres. Brenda, bonsoir. Cette image-là, non, je ne dirais pas le prénom, le Kombo Bapesei, mais Bapesei Kombo Aza Rebelle. Ayebi. Cette image-là ne vaut pas nos terres. Et solennellement, je le dis, à mon nom et au nom de nos équipes, on s'excuse pour l'image, mais c'était ça l'objectif. C'était ça, parce qu'on sait que non, tu pèses. Et les canaux étrangers, l'église, votre Vatican compte sur toi. Binotu Borosa Nabino ba archevêque, Borosa la monseigneur, mais chacun a sa valeur, chacun a son prix. Est-ce que vous comprenez? Chacun a son prix.
Vous savez ce qui s'est passé, la déclaration qui s'est passée là. Voilà pourquoi je vais dire à l'armée là, il faut m'entendre, il faut boyokanga. Vous avez Yuma, Yuma. J'ai posté la vidéo comme on voyait chez un militaire du général, comment il s'appelle, Guy Blanchard au Koy. Les gens m'écrivent, non, il faut enlever, il faut enlever. T'as là, on a commis même pas là, quoi. J'ai pris juste la vidéo de, du général Guy Blanchard au Koy, j'ai mis là où il parlait. J'ai même pas dit que non traite, j'ai même pas dit non peur, j'ai juste pris la vidéo, j'ai mis. Les gens même de sa propre famille, oh non, il faut enlever, oh non, il faut faire ceci, oh non. Moi j'ai dit, il sert la patrie. Voilà pourquoi je vous dis, les gens font semblant comme s'ils nous suivent pas, ils nous suivent. Ils font semblant comme s'ils nous négligent. Mais tout ce que nous faisons là, ils regardent ça à la loupe comme ça. Voilà pourquoi je n'ai pas droit à l'erreur. Je peux voir mes erreurs d'un côté qui n'est pas du combat que nous faisons. Mais je n'ai pas droit à l'erreur dans ce combat-là. Parce que je sais, à la première minute, on peut me voir. Juste l'image de Général Okoy, hein, je n'ai même pas insulté, c'est là sur mon TikTok que j'ai mis. Même les membres de sa famille sont venus m'écrire. Oh non, il faut enlever. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Les Congolais qui commentent, oh non, il faut seulement enlever, simplement. Pourquoi je veux enlever? Explique-moi pourquoi. C'est un soldat, c'est un général du peuple, c'est un général de l'État, général des Congolais. Oh non, seulement il faut enlever. Est-ce que vous imaginez le degré? Merci pour les fleurs, Jean Koulou. Donc, l'archevêque, Monseigneur Manamika, l'armée, écoutez-moi très bien, vous allez comprendre. Vous vous souvenez ici que l'ambassadrice de la France qui est au Congo, il y avait eu des tiraillements avec le gouvernement. Est-ce que vous vous souvenez encore? Parce que ma Congolais, toi, mine un problème à mémoire. Est-ce que vous vous souvenez que non? L'ambassadrice, la nouvelle ambassadrice avec le gouvernement congolais, il y avait eu des déclarations contradictoires. Le gouvernement est venu dire ceci, l'ambassadrice est venue dire cela. Les Congolais, il faut vous amener courageux. Ce bon les malgré la courageux, les gens vont se fatiguer à dénoncer, les gens vont rentrer pour travailler, les gens vont travailler avec les. C'est-à-dire, pour moi, la mort est quelqu'un à pote-pote. Vous allez comprendre maintenant. Manamika, bravo. L'église catholique, ceux qui sont dans le vrai, bravo. C'est la pression des Congolais qui vous a fait reculer. C'est pas parce que vous avez voulu. Non, c'est parce que les Congolais se sont mis debout. Les Congolais disent non. Et vous avez compris que non. On a joué sur vous. La vidéo que j'avais faite, je vous avais même dit quoi? Je dis, qui vous dit que même les accords qui vous ont fait lire là, ce sont des vrais accords? Si ce gouvernement des escrocs ont pu faire des faux documents donnés au FMI, combien de fois vous les archevêques qui n'arrivez même pas à parler, quand même les Congolais souffrent? Donc, dans l'église catholique, il n'y a que Manamika qui doit parler. Nous avons vu Manamika faire face en disant que non, c'est un pays qui a de rivières, on n'a pas de l'eau dans des robinets. Il y a un pays à Ndoko. C'est une malédiction. Mais est-ce qu'il n'y a que lui comme archevêque qui peut parler? Hein? Parce que la majorité qui sont tout autour de lui, des corrompus. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre maintenant. L'armée, ceux qui vont télémis bien, les accords-là, ils vont abolir les accords-là. Regardez même au Rwanda, toutes les histoires, les anciennes histoires de Rwanda, on commence à mettre ça sur les médias. Bassim Bissi et Touche. Brenda, bonsoir. Bassim Bissi et Touche. Congo Info, bonsoir. Ils sont toujours, par contre, ils sont toujours en cours. N'est-ce pas? Manamika. Vous savez, sa déclaration qu'il a eu à faire là, c'est en quelle période? Journée internationale de l'environnement. Divine créature côté fesse, bonsoir. Maman Anne, voilà, bonsoir. Je vous répète. Sa déclaration a été faite
pendant la cérémonie de la Journée internationale de l'environnement. Il y a eu des ministres d'État à l'église. On a déjà parlé du Rwanda, mon frère, oui, le Texasien. On a déjà parlé du Rwanda, tu es venu en retard. Il y a eu des ministres d'État lors de cette cérémonie. Vous allez comprendre. Il y a eu l'ambassadrice de la France au Congo. Il y a eu le représentant du pape lors de cette déclaration. Le gouvernement est là. Le représentant du pape est là. Bonsoir Judas. Les ministres sont là. Journée internationale de l'environnement. Le monde entier est en train de regarder. La France a braqué le visage parce qu'il y a leur représentant qui est là. Leur représentante qui est là. Posez-vous des bonnes questions. Maintenant, vous, l'armée, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Revenons encore. Cette contradiction entre la déclaration du gouvernement et de l'ambassadrice de la France au Congo. Chute à Sima, il y a combien de temps le ministre des Affaires étrangères russe qui était au Congo? Le Congolais, Bolamuka. Banda, ils ont voulu le sacrifier parce qu'il n'y a pas Nzima qui est associé. Imaginez la deuxième histoire. Il y a Mamba vente de terre. Il y a la déclaration. Vous comprenez? Mais les Congolais, réfléchissez. Réfléchissez. L'ambassadrice est là. Soudan Nono est là. D'autres ministres sont là. Ça ne vous dit pas quelque chose? Le représentant du pape est là. Journée de l'environnement. Il n'y a même pas deux semaines. Ministre des Affaires étrangères russe était au Congo. Ça ne vous dit pas quelque chose? L'église a compris, ah, on va nous sacrifier. Chute à Sima. Déclaration. On va mettre la vidéo. Chute à Sima. Ce que j'aimerais dire à Manamika, ce que tu viens de faire est tellement fort que tu dois multiplier la vigilance. Tu sais, je sais de quoi je suis en train de parler. Tu dois multiplier ta vigilance. Et tu ne dois plus associer ton image à n'importe quelle déclaration, papa. C'est une affaire là où les lions sont en train de se battre. Pour moi, Manamika, spirituellement, tu es en haut, c'est vrai. Mais c'est une affaire des intérêts des pays qui sont développés dans l'armement, qui sont développement psychologique, comment détruire l'un, comment détruire tel pays. N'associe plus ton image avec n'importe comment, avec n'importe qui, papa. Écoutez, parce qu'on reviendra un jour. Je reviendrai ici pour vous demander. Le Ernest Ntoumi dans le vrai. Il ne pourra jamais trahir son peuple. Merci, Faye, pour ta révélation en passant sur certaines têtes de la diaspora. Merci André. Je répète encore, Manamika, ce que tu viens de faire, l'armée, si vous ne comprenez pas les enjeux qui se passent dans votre propre pays, vous serez des victimes de demain. Soit vous serez des victimes des sassous qui vont prendre le pouvoir, sinon vous serez des victimes des étrangers qui viendront se battre dans votre propre pays. Soit vous serez des éternels esclaves de l'armée. Parce que, fin de compte, ils vont prendre des miliciens d'autres pays pour leur protection.
à prouver votre contraire, pourquoi le PCT cherche à vous convoquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est des grandes puissances qui sont en train de lutter sur les territoires congolais. On nous disait, quand on vous disait que non, même le fait que Hugo Londé fait sa sortie pour dire que le Congo-Brazzaville n'ira pas jouer en RDC, c'était politique. Les gens disent non. On a dit c'était politique. Les gens disent non. Kinshasa a multiplié la coupure de courant au Congo-Brazzaville. Ça, ça ne vous fait pas réfléchir? Ça ne vous fait pas réfléchir? D'un coup, le transfert à Mbono et Ziki, ça vous fait pas réfléchir? Alors que ce transfert-là alimente pratiquement la moitié, je peux dire de Brazzaville, mais pas la moitié, mais en tout cas, une bonne partie. Ça ne vous fait pas réfléchir? Hein? Je répète encore, l'armée congolaise, continuez à faire vos business en bouffant des primes de ceux-là qui sont un peu en bamba, qui viennent pleurer encore vers nous, pour que tout ça, les labango, tout le belato, dénoncer Marambo, le général Bozoli Abambongo. Vous serez des victimes dans votre propre pays. Il y aura même des gens qui vont fuir d'être même des militaires. Comme certains fuient même aux alas militaires ukrainiens, militaires russes. Parce qu'on va vous envoyer pour que moi, on a un vrai front et aux alas, na propre mboka na bino mogon. Bozou mwana oka net li seki, mais tokom na tomoko, o batou ba kimi mboka bo tiki bo mengo na bino ba étranger moto ba komi go don wana ou. Ce qui passe en RDC là, ça ne vous fait pas réfléchir. En RDC, ils sont encore 80 millions. Ça va découper, va kati, va tomber tout 500 personnes, 300 personnes. Bon, moi, na somme à bon. Mindele va zéro bunda ten église, gouvernement, na étranger ten église. Combien koti ten église? Si vous comprenez. Dites-moi, l'ambassadrice a eu au sambe la église. Hein? L'ambassadrice na église, représentant un pape na église, bata gouvernement na église. Bah yebi nzambe maintenant. Ça vous fait pas réfléchir. Manamika le bi, église le bi. Ningana Bwaki déclaration. On va mettre ça. Ministre d'environnement Congo, comment s'appelle? Soudan Nonode. Révérend pasteur Ntumi na bosana un message moro point na yo bino ba ninja. Ba otine de l'homme ba to ba kala mingi te mindele. Mais faites attention mon vieux. Ba otine de l'homme mindele. Ba kala te rozoa délégation ya mindele. Ceux qui ont négocié na ebité ninyo, ceux qui ont solo la ninyo, ba kongole boyoka. To bomba. Gladiateur to zo bomba. Reverend pasteur Ntumi, je prends les Congolais à témoin. Ba otine de l'oba kala mingi te mindele. Délégation à mindele. Na ebité ce délégation ne vous allez kikio. Na ebité ce délégation ne vous allez ceux qui est ninyo. Mais tu but là-bas, c'est que tu dois céder. Parce que déclaration les a bien été. D'où j'ai dit aux Congolais, faites attention, parce que ceux qui papier à Kanyimi ne l'ont pas. Kiki ne pourra pas commander Ntumi. Je ne dis pas qu'un Ntumi, c'est lui qui doit sauver les Congolais, mais je dis seulement Kiki ne pourra pas commander Ntumi. Est-ce que vous comprenez? Entre eux là-bas, on a commandé Moninga. Donc, to pousser moto moko te pona ba éliminer to tika bango tu bazala wana na momo wana tangi kokoka to mona nani moto a bazala pona peuple to ko livre moto te bango tu ndenge ka papier zo memela biso bongo to kinena ka bongo jusqu'à la fin on verra nani a bazala nani qui va dire quoi pour le peuple qui sera pour le peuple. Bah mindela ba ta mafia wana na ebité papa mais information to pesi ba ngondi wana to kota directement la déclaration et manamika et puis moi je vais couper et check en ma petite vidéo.
Attendez, chers amis, je vais envoyer ça chez Bilay. Puis, la carte. Oh, elle m'a intervenu à TikTok, remonter Facebook dans la carte. Parce que la vidéo dans la monnaie, tu as oublié déjà. Attendez, c'est où? Voilà, ça est là. Merci Brenda. Lieu d'implantation. L'Église a le devoir de demeurer en alerte dans son rôle de conscience prophétique pour aider chacune et chacun, et principalement celles et ceux qui ont des portions de responsabilité. Ah, ça va couper. D'accord, donc je laisse sur TikTok. D'accord, merci culture de mon pays. Je laisse sur Facebook. Vous entendez quand même? Donc écoutez seulement. Replonger son existence dans le temps de vie qui lui a été fait et qui ne lui appartient en aucune manière. C'est un gage de liberté et de dépassement de toutes les contraintes immédiates qui pèsent sur l'homme. Lui-même inscrit dans le temps, dans l'espace et dans un rapport avec autrui. En la matière, on ne saurait se contenter d'affirmations générales et surtout pas de surenchères ou de manipulation de l'opinion pour des fins inavouées. Nous avons donc, comme chrétiens et messagers de l'Évangile, une responsabilité vis-à-vis de la création. Héritier de la terre en général et principalement et d'abord du lieu où Dieu nous a plantés, si nous nous solidarisons et recherchons toujours la messe s'est faite au nom de la terre. La messe s'est faite au nom de la terre. Parce que l'église a compris que... Ben ouais, si ça se touche. Il va y avoir des sacrifiés. Le nom de quoi? De l'archevêque, c'est mon Seigneur. Bienvenue, Manamika. Il va, s'il te plaît, là. Selon leur espèce. S'il est de notre responsabilité à tous d'éviter de créer des soucis illégitimes chargés d'insécurité pouvant engendrer de nouvelles formes de dépendance et d'asservissement, nous sommes appelés à prendre des précautions pour ne pas tomber dans ces asservissement. Il est davantage de notre devoir de revenir au plan divin, car quand l'homme tourne le dos au projet du Créateur, il provoque un désordre qui a des répercussions inévitables sur le reste de la création. En ce jour de prière pour la création, nous prenons conscience du mal à notre terre, à notre maison commune, mais nous rendons surtout grâce. Oui, nous disons merci à Dieu pour les résurrections des consciences droites. Merci à Dieu pour les résurrections des consciences droites en faveur de la sauvegarde de l'environnement. Frères et sœurs, distingués invités, frères et sœurs, au Congo, notre beau pays, cette sauvegarde, cette préservation de l'environnement passe
par le respect des terres que Dieu nous a données. Respect des terres reçues de nos aïeux. Respect de nos terres qui sont invendables, non négociables. Respect de nos terres. Invendables. Autrement dit, au Congo, préserver l'environnement, c'est aussi défendre nos terres, coûte que coûte, en toute confiance au Père, qui prend soin de nous et de toute la création, parce que tout est de lui, tout est pour s'il te plaît. Tout est pour lui, gloire à Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Bon, yo qui déclaration, déclarer salami pour la terre. C'est-à-dire, bino va congolais, ceux qui vont télémiter, ceux qui te fanzi, metalita kabiso. C'est-à-dire, le lo awa, yangon a interpellé, image royale, bonsoir mon frère. Yangon a interpellé, Isaac Bren, comment tu vas mon frère, bonsoir. Ne poussez pas Manamika à l'erreur, quand on va le tuer, vous n'allez rien faire. Je ne sais pas en quoi on entend de le pousser à l'erreur, Isaac Bren. Je ne sais pas ce que tu veux dire. On le pousse à l'erreur. Il y a une déclaration. Et toi, tu connais pourquoi il a fait cette déclaration. Est-ce que la déclaration n'est pas gagnée? C'est pour l'église, mon frère. Si tu ne sais pas, il faut demander, il faut poser la question. Tu viens d'arriver au Bandjoul Bagam à Mokilkin. Donc, chers amis, je pense que Manamika a fait ce qu'il pouvait. Ok? Il a fait ce qu'il pouvait faire de son devoir. D'où je répète ici, je dis à son entourage et à lui-même, Nelly bonsoir. Nelly bonsoir. La diaspora la plus corrompue, c'est la diaspora congolaise. Cette diaspora n'est pas efficace à part aux autres diasporas qui sont dynamiques. Bon, après, je ne sais pas. Congolais, vous voyez, quand même, sujet, moi, quoi. Nelly qui me dit, la diaspora la plus corrompue, c'est la diaspora la congolaise. Bon, je sais pas, c'est seulement. C'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que le changement viendra d'abord de la diaspora? Le changement, mon frère Neldi, viendra des Congolais. Viendra des Congolais. Si toi, tu n'arrives pas à dénoncer, si toi, tu normalises le mal, ta souffrance, vous croyez que nous qui sommes à la diaspora, on va faire quoi? Ça, c'est du côté de Facebook. Vraiment, cher ami. Neldi, tu traites la diaspora de corrompu. Qu'est-ce que la diaspora n'a pas fait? La diaspora fait sa part. Nous qui sommes ici, nous faisons notre part. Si l'armée commence à nous contacter pour que nous puissions dénoncer pour eux, il y a un message, il y a un Brazza News, il y a un web message. Hein? Que toi dénoncer pour Nabango, il y a Bango Bambongo. Maintenant, toi, tu veux qu'on fasse quoi? Tu sais pas, le changement, ça viendra de l'intérieur, ça ne viendra pas de l'extérieur. L'extérieur fait que donner le poids, la pression. Ça donne que la pression, la force, la forme, mais le pouvoir, le changement, c'est sur le terrain, mon frère. Moi, je suis à l'étranger. Quand je peux faire les vidéos, toi tu m'as déjà contacté combien de fois mon frère? Selon toi-même, pour les informations, mais tu es au pays. Ce qui se passe chez toi au Congo, tu ne sais pas. Et tu m'as déjà contacté à plusieurs reprises. Tu es là, si je dis ce que je dis, c'est faux, écris-le. À combien de fois tu m'as déjà même appelé, je t'ai dit que je suis en formation? Combien de fois? Mais c'est vous aussi qui nous découragez encore. Vous voyez un peu le Congolais? Hein, elle dit. À combien de fois, toi, mon frère, tu m'as appelé, je t'ai dit que je suis en formation. Non, enfin, je veux telle information, que tu me rassures, tout et tout, combien de fois. Mais l'information que tu demandes, et pourtant, c'est au Congo, Brazzaville. Toi, tu es au Congo avec eux. La diaspora, ce n'est pas une affaire de la diaspora. Chacun fait sa part. Le changement viendra du Congo. Aujourd'hui, les grandes puissances sont en train de se battre au pays devant vous, Bozanamus au Kangama. Vous ne vous posez pas des questions. Vous ne vous posez pas des questions. Mukodek continue à grève. Il y avait des gens qui ont détourné l'argent de Mukodek, mais ces gens-là ont fait des dossiers parce que ils ont les noms des Nguesso. Donc ça aussi, c'est la diaspora. Pour dénoncer cela, c'est la diaspora. Si vous ne mettez pas debout. Les étudiants. À chaque fois, chaque étudiant, comment au Benganga, oh, est-ce que tu peux parler de nous? Je dis, organisez-vous, dénoncez déjà ce qui ne va pas. Avant que Bisoto Banda. Hein? Mais voilà, il n'y a pas de liberté sans sacrifice, mon frère noble. Hein? Donc arrêtez d'accuser diaspora, arrêtez de faire ceci.
Nous, ce qu'on fait, on fait de notre mieux. Nous, on fait de notre mieux. Combien de fois on était pourchassé ici jusqu'au tribunal? Combien de fois on était agressé? Mais toi, tu es au pays? Mais nous, moi, je suis à l'étranger que le pouvoir met l'argent pour qu'on m'agresse. Je paye 136 000 euros. Tu veux que la diaspora la fasse quoi? Je paye, j'ai une amende de 136 000 euros avec l'État congolais. Que chaque mois, je paye, moi, faille. J'arrive à 280 euros par le mois. L'argent là que je pouvais envoyer pour mes enfants. Tu veux que la diaspora fasse quoi? Non, tu penses que moi, là, je suis là encore, je peux aller faire encore un truc qui va me pousser en prison? Je peux faire encore un truc qui va m'envoyer au tribunal? Combien de fois j'ai eu 123 plaintes devant les tribunaux? Il faut faire déplacer les avocats. Merci encore aux avocats qui me demandaient parfois 1500 comme geste. Il y a des avocats, dernière plainte là, c'est 3600 euros, mon frère. Écoute très bien, 3600 euros, la plainte de notre affaire de l'agression de Bobigny, 3600 euros. 4000 euros pour la consignation au tribunal. Tu peux multiplier, tu peux faire l'addition, ça fait combien? Et j'ai un salaire de combien? Je dois nourrir mes enfants, je dois nourrir ma famille, je dois faire ceci, je dois me déplacer. Donc, à un moment ou un autre, il faudrait que chacun de nous fasse sa part. Et quand je te dis, sur tout ce qu'on a eu à dépenser, lesquels qui donnent? C'est les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Ah, Fainazab, on a dit, oh, tiens, tu as complété. Ah, Fainazab, oui, tiens. Et puis, dans tout ça, là, quand tu as des plaintes comme ça, les enfants collés là que moi, on a défendu, qu'on a défendu pour leurs frères, j'ai pratiquement 4800 euros que je suis en train de payer. Hormis les 3600 que je t'ai parlé, hein, les 136 000 euros, hein, les enfants collés là, qu'on a défendu leurs frères. On est allé jusqu'au tribunal. Bien qu'on a déplacé les avocats qu'on a payés, j'ai 4800 que je paye. Respectez les gens, mon frère. Quand vous faites vos commentaires, je serai dans l'obligation de vous bloquer maintenant. Respectez les gens. La diaspora, elle est grande. La diaspora est diverse. Comment on appelle ça même? Comment dirais-je? La diaspora est faite de beaucoup de gens, beaucoup de monde. Plusieurs personnes. Il y a des corrompus, il y a des gens qui travaillent pour se positionner, il y a des gens comme nous autres là, on parle parce qu'on veut le changement. J'ai pas un parent qui est au gouvernement, mon père on l'avait pas, on l'avait au gouvernement, voilà pourquoi je dénonce. Aujourd'hui si je dis que, multiple, merci Joséphine, oui. Aujourd'hui moi enfin, si je dis que je veux bouffer l'argent du gouvernement. On peut me nommer même ministre, mais je sais que je vais acheter, je vais prendre, au fait, je vais acheter ma mort. Si je dis aujourd'hui je rentre au Congo, ils vont accepter que je rentre au Congo. Pourquoi? Pour que ça puisse démoraliser les Congolais. L'auteur David, bonsoir. Pour que ça puisse affaiblir ceux-là qui sont dans le même élan de dénonciation que moi. Il y a des gens aussi qui ont payé le prix le plus fort, qui sont partis. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents pendant des guerres, pendant des explosions même de 4 mars. Jusqu'à présent, des dommages à Bangoté. Il y a des parents qui ont perdu leur parcelle à Kintele. Parce qu'on voulait mettre un stade qui n'est même pas homologué. C'est-à-dire qui n'a même pas des normes, des stades auxquels d'autres pays pouvaient venir jouer chez nous. Mais on a chassé un Congolais sur sa propre terre. Maintenant, si ces Congolais-là ne s'organisent pas pour dénoncer cela, vous croyez, moi, je vais faire quoi, mon frère? Au moment que je suis en train de vous parler ici, j'ai un examen d'État. L'examen d'État de la France, ce n'est pas l'examen du Congo. Hein. Désolé, le col du Congo d'hier, oui, mais pas d'aujourd'hui. J'ai un examen d'État que je dois préparer. Et grâce à cet examen, ça va m'ouvrir des portes à pouvoir travailler dans ma tiens-moi salaire. Mais je suis là en train de vous parler. Mais vous êtes là en train de vouloir faire baisser l'énergie des gens.
Tu sais, même pour faire des informations, pour prendre même des informations, il arrive que Motazo PC information, Azan à la présidence, mais Azan Noko Nao, Azan Moninga, non, moi, Mastano, il faut tirer moi 20 000, moi 30 000, au salaire, moi bien. Parce que la mission sur la table, on a un ministre, on a un piac, on a un sacanaté. Mon ami Mbobola, qui était du PCT, il demandait 2000 francs chez Madame Ignace Ngagné pour mettre le crédit. N'est-ce pas? Il y a quelques têtes qu'à peine que Bamo Tia Bamo n'a pas le gouvernement. Donc, mon frère, s'il te plaît, respecte le travail que les autres font. Si aujourd'hui on te demande, toi aussi prends ta caméra, tu as le même téléphone que nous, commence à faire des vidéos. Tu n'auras pas ce courage-là. Mais tu vas me dire que non, parce que tu es au Congo. Mais il y a ceux qui sont au Congo qui le font. Bon, chers amis, je pense que je vais m'arrêter là. Ceux qui aimeraient des fois sur TikTok, il n'y a pas de problème. Monter sur TikTok, il n'y a pas de souci. Mais pour, par contre, je vais couper là. On a tout dit. Voilà. Pour ce soir, en ensemble, ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Mamoussou Savoloba, Isaté, en ensemble. Donc, bonne soirée, Nabino. Et à la prochaine. Voilà. Si tu n'as rien à dire de constructif, il ne faut pas décourager les autres. Vraiment, vraiment, image royale. Vraiment. En tout cas, un ensemble à Noko. Un ensemble. Boye Bakenon. Biscotte. Bonsoir. Bonsoir. Bah, terre déjà, bah, t'es qui me sens. Merci beaucoup, mon frère. Je vais toujours remercier. Parce que tu es vraiment courageux. Merci. Toi et l'homme du métro. Merci. Si vous ne défendez pas votre pays, eh ben le pays va partir. Parce que celui-là, il est presque dans les 80 ans. Il va bientôt partir. Il n'est pas là pour longtemps, Sassou. Exactement. Il s'en fout du peuple congolais. Tout à fait. Et donc, il faut vraiment se lever, que tous les Congolais s'élèvent. Parce que c'est votre pays. Tout à fait. Vous voyez? Donc, ils vont comme ça, petit à petit, avec des Rwandais. Les Rwandais vont s'infiltrer au Congo. Un jour, ils vont vous faire la guerre. Ils vont commencer à vous faire du mal. Et ils vont vous chasser du Congo. C'est comme ça que ça avait commencé aussi avec la RDC. Exactement. Exactement. Donc, il faut faire très attention. Tout à fait. Merci. Monsieur, vous ne devez pas avoir peur, les Congolais. Les Congolais, le problème, ce que moi je reproche aux frères Congolais, c'est qu'ils ont peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur. Parce que vous allez perdre votre père. Exactement. Vous voyez, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes un brave homme. Moi, je vous ai toujours félicité parce que vous transpirez beaucoup. C'est ça la sagesse, c'est ça l'intelligence. Ça se voit que vous aimez votre pays. Mais les autres Congolais, ils sont où? Ils sont où? Qui s'élèvent, qui s'élèvent. Moi, je vois que vous et une dame qui s'appelle Nadège et un monsieur, l'homme du métro. Vous êtes que trois à parler dans tout Congo, 5 millions. Vous avez, ils ont peur de quoi, mes frères? C'est un gros problème, un gros souci, jusqu'à ce qu'on va vous amener des Irakiens là-bas, des Syriens, vraiment. La terre qu'ils sont en train de préparer pour eux. Vraiment. Et ça sera des attentats là-bas, ça sera grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'avenir du Congo-Brazza. Voilà ce que je voulais dire, merci. Merci mon frère Biscotte, merci en tout cas pour ton intervention. Bonne soirée à toi mon frère. Merci. Bon, merci voilà. À vous aussi, mon frère. Merci, mon frère. Donc, au moins, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit surtout l'armée, vraiment, n'a évité quoi, n'a évité. C'est-à-dire, pas si mingi. Ils ont vraiment pas si. Même les gens qui ont mis son abino, Mindele, Bazoir au Bundana, le Pango Nabino, Bazoir au Bundana, le Pango Nabino, Mindele. Mindele bazo bundana le pa on a bino le gars azo le bobo tozo tia manami en danger c'est faux bazo tia église en danger tes chers amis église ils a soutenu église ils a gouvernement bon mon Vatican wana ndenga wana te ils a gouvernement pour que na fond la bino na vona kata faut vous comprendre de l'oro moko guerre en Russie Ukraine ils ont matali ils ont quitté na mboka na biso ils ont quitté na mabele na biso ya ngobo monyo ambassadrice. Parce que nous avons trop de mais il faut que nous fassions la bataille sous Bongo. Ambassadrice à France, nous représentant le pape. Quand on dit pape, nous avons autant de gens qui sont sous Bongo, parce que nous gouvernement, nous avons gouvernement. Vous comprenez? Rome est un gouvernement, c'est un état dans un état. Donc, nous avons eu un environnement. Vous voyez que la Russie n'a pas été le cas.
bazuyaka kotala terre bango tout bazuyaka kotala terre yango église a lobby déclaration na ya bimi neutre si maintenant bitumba ba nzoko e betama ba o yango na lobby ba o ba koyeba ko négocier bien mboki ko changer ba oyo ba koyeba ko dwa courage ko kindo ko toke ba porte ya mindele wana na lobby te o bokindo toke awa wapia bo toke koto nyonso bolingi et qu'on forme rapport de force. Na kati ya rapport de force on a même yé moko papier ko mona ke non. Il est temps que to solo la na ba ndeko na nga moko. Parce que sinon makambo ya zo luka bango zo kanza chantage ba osala mindelo wana et ko comme la biso bombe. Ya retardement na mboka na biso moko. Bon mona ka lika mumki hein. Ba rwandais, ba russe, ba français. Ma belle na binomo. Mais vous comprenez. La kati. Merci. Merci Image Royale. Merci en tout cas na tiki bon na kati bongo. Ou ya zana mateur ou yoka yoka. Ou ya na ba idée à fond. Là on a le bibo telema. Bo kendo bo mi négligeté. Bo kendo toke toke. Bon mona ezana batwa au fond la bino porte parce que bazana bon mon que terro wana ezala accessible na moi bat moko boye na moi bat moko boye donc chacun zo bundé la terre wana ba russe ba yebi que vieux ça soit za fiabilité ba français ba yebi que ça soit za sou fiabilité bango tout baza conscient bango tout baza conscient donc le vrai jeu yemo ça sou yemo ce qui a sali buzo ba elieye ce qui a sali pe bien à quoi continuer par vendre on a imposé biso moana mais faut voir bango que non mindele bazan qu'on a besoin ya ko élargir bato oyo ba peuple bazo lingate parce que bazan na bomo ya ko bomo même te na Côte d'Ivoire kuna ba lobi na Ouattara ta zala moi poser to mo il faut bima moi Ouattara pa a ko signer ba accord na ba coréen na ba nani na ba chinois ko comprendre géopolitique to ça li bongo bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci, cherche. Merci en tout cas pour nos cadeaux. Merci en tout cas. Bon. Bonne soirée. Que tout le monde est ensemble. Parce qu'on est là trop. On a été contest encore. On va ça la direct parce que on a vraiment.